In this lesson, we will see together two words that are written differently but pronounced the same way. Cap. Cap. So let's start with the first one, cap, with two examples. Nous essayons de garder le cap pour ne pas nous perdre. Nous essayons de garder le cap pour ne pas nous perdre. So as you can see, cap is a noun and it's a masculine noun, le cap. Le marin a ajusté la voile pour maintenir le cap malgré les vents forts. Le marin a ajusté la voile pour maintenir le cap malgré les vents forts. So cap, it's a noun and it's a masculine noun, le cap. So let's have a look at the second one, cap, with two examples. Elle portait une élégante cape noire pour se protéger du froid. Elle portait une élégante cape noire pour se protéger du froid. So in that situation, the word cap is a noun and it's a feminine noun. Une cape. Je refuse de porter cette cape. Je refuse de porter cette cape. So cap, feminine noun. So remember, cap here, masculine noun, un cap, le cap. And here it's the feminine noun, une cape. La cape.